la section de piste à la place. Je me présente, je m'appelle Abou Laga. Abou Laga. Je suis chorégraphe, danseur et chorégraphe. Je me présente Nerol Laga, qui est danseuse, assistante, mais aussi mari et femme. On est très content d'être là. Pendant 4 jours, jusqu'à jeudi, on va faire une sélection pour choisir 20 danseurs. 15 solistes et 5 stagiaires. Là, c'est un an de contrat. Un an de contrat qui est, pendant cette année, vous allez avoir des cours qui vont peut-être pas être votre spécialité, contemporain, classique, yoga, des choses comme ça. Mais pour vous perfectionner et devenir meilleur dans votre spécialité, on cherche aussi des femmes, s'il vous plaît, passez le mot, des femmes. On cherche des gens solides, mentalement, physiquement, des gens sérieux, des gens qui sont là pour travailler, qui vont gagner de l'argent, ça c'est important aussi, en faisant leur métier. Vous allez avoir de la formation avec des professeurs qui viennent de toute ma compagnie, hein. Ils sont une quinzaine, vous allez les voir arriver tous les mois. Les journées vont être très très longues pour ceux qui vont travailler avec nous, ça commencera à 10h du matin dans le studio. Il y aura une heure de pause de 14h à 15h. Et de 15h à 18h, on continue à travailler. Je peux vous dire que c'est un rythme incroyable. Et il y a surtout une première d'un spectacle que je vais créer sur les 20 danseurs. Je ferai une création. Cet été, on va commencer, juin, juillet, août. La première mondiale, elle sera ici à Alger, au TNA, en septembre. Pourquoi on fait tout ça? Parce que nous, on a envie de travailler en Algérie. Je suis algérien. J'ai ma compagnie en France, mais travailler ici au sein du ballet, c'est une nouveauté, vraiment. Madame Khalida Toumi, la ministre, a complètement validé ce projet. C'est elle qui nous a invités. C'est elle qui a envie qu'en Algérie, il y ait aussi une nouvelle jeunesse, un nouveau élan. C'est une vraie volonté. Je sais qu'il y en a qui ont travaillé avec moi pour le Panafricain, mais ils font quand même l'audition. C'est la démocratie. Pas que le boléro, vous comprenez? Huria Aishi, ça dure 45 minutes. Et ça, ça dure 15 minutes. Et on travaille depuis 2 semaines et on n'est même pas encore à ça. De dos, de face. Approche-toi de repars autour. Tu peux même faire pam, passer autour d'eux. Et revenir face à eux, t'arrêter, respirer, repartir. Amuse-toi. J'ai besoin que vous... Belkhaf. Vite pour avancer, vous comprenez, Mchi, attends, vous comprenez mes enfants, j'allais dire, vous comprenez. Vous couchez de la nichène, poum, 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 changement de qualité. Ouhna, kabar, bassin, bassin, wa. Pli étendu, shift. Voilà, kilgat, mais chut, allez-vous, mais voilà, c'est de la liberté, parce que, bête les yeux, la vraie, bête, chauffe, eh. Tu comprends? Voilà, c'est ça, d'accord? Ça commence au cours le matin, tout de suite. La qualité, depuis 3 mois je fais ça, je sais toujours pas ce que je fais. Je dois savoir ce que je fais. Encore, premier groupe. Allez, faut trouver un, c'est un peu là.
travail, ça paye, je vous jure. Belcom jusqu'à que vous y arriviez. Je vous lâcherai pas, hein. Et vous non plus, faut pas lâcher. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas. Maintenant, essaie de détendre le coude, allonger et la main. Relâche la main, mais donne une direction des doigts. Voilà, ça, c'est un bras allongé. Tu comprends? Comme ça, ton épaule, elle est détendue. Sinon, épaule bloquée, coude bloqué, poignet bloqué. Et tu peux faire la même chose, épaule détendue, coude libre, poignet libre, les doigts, la direction et la main disponible. C'est ça. Septembre.